Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Victoria 3, toujours avec mon let's play américain. Donc, ce qui se passe ici, c'est très simple. On a un petit peu problème difficile, et bon c'est pas trop grave parce que ce sera bientôt fini. Donc la priorité c'est quoi? Essayer de faire passer la loi pour le multiculturalisme. Il me faudra cette foutue loi. Le problème c'est que les évangélistes, les militaristes se font la gueule. J'aimerais pouvoir que les militaristes... les enfants, liberté garantie. Ça les fait chier, putain. Le problème, c'est que la petite bourgeoisie, plantant du sud. Liste. Le problème, c'est qu'ils me cassent tous les burnes. Qu'est-ce qu'ils me proposent là? Un projet payant? C'est un petit peu les prêts là. Ah voilà, ça c'est bien. Les prêts qui diminuent. Moins 12 000. Allez, faut vite que les prêts soient remboursés très vite. Ils veulent la censure les FDP quand même. Hein. Et ils me cassent les burnes. Il n'y a plus de problème de pognon avec les constructions. Et papier par contre, et les clippers. Ouch! J'ai pas cette qualification, ça me fait chier par contre. Faut 2-3 facs de plus dans ce pays de merde. Ça va dresser les débiles. Il faut absolument de quoi pouvoir... C'est ceux du Mexique. Ouais, bah c'est pas grave ça. On va gentiment s'occuper de récupérer... De finir les provinces ici. Une fois que ce sera fignolé... Possession des Hawaïens. Pas trop grave. Tout ce qu'il faut absolument ici, c'est faire passer une loi pour que les emmerdeurs dégagent. Donc là, que ça a eu. Parfait. Faut réprimer les évangéliques, continuer à les réprimer. Et là, j'ai pas assez de points pour pouvoir réprimer les... un coup. Pour les lois. On va se faire passer cette loi ici. On pas train de plus avoir de problèmes avec les Hawaïens. Alors eux sont radicaux élevés. Très élevés. Le problème c'est que justement j'ai le problème des bâtiments ici. Il faut vite terminer ces bâtiments là. Et après, parce qu'il me faut des universités. Si j'ai pas assez d'universités, je pourrais pas assez former de gens. Il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus, c'est parfait. Ah, réseau révolution. Plus 8 par semaine. Ouf. Bah s'ils font sécession, c'est pas grave, on leur foutra sur la gueule. Je vais baisser les impôts ici. C'est ce que je vais faire malheureusement. J'ai pas trop le choix. Diplomatie. Alors, on va faire un truc très simple, ça va être... C'est ouf, ici politique. Du coup là on va cesser de les réprimer. Le budget, on va remettre une taxe. Tournevis sur les services.
On va la mettre sur les meubles de luxe. Pas non plus trop se mettre à dos l'armée. Si je baisse les impôts, ils vont être contents de faire les gens. Voilà. On baisse les impôts, du coup, les gens arrêtent de gueuler. En plus, les dettes vont diminuer. Continue à baisser la dette. Fantoche de l'Angleterre. C'est-à-dire que si j'éclaire la guerre à cette merde, je tombe contre les Anglais. Ici, on va établir des colonies. On va mettre un autre état en colonie d'intérêt. En plus, on va coloniser tranquillement ici, tout le sud. Les Anglais n'ont même pas fini cette merde là, c'est parfait. Donc paysans sud-australiens. Est-ce qu'on peut développer un petit peu l'économie? D'un coup ça ferait une baisse inquiétante. Qui est disponible? Bah parfait! Vous voyez ce qui va se passer? Congo, Gabon, Indonésie. Alors, on va pouvoir coloniser les petites îles de mer qui se balent par ici. L'Espagne a mieux rivalité. Oh, alors ça, l'Espagne, vous savez ce que j'en ai à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai pour les bâtiments? Oui. Une chimique. Alors, on va voir. Plus 10%, enfin plus 20%, c'est mieux. Je vais très vite pouvoir. Je vais très vite pouvoir faire ce qu'on appelle la. Une... Merde, comment s'appelle ça? Faire passer la réforme. On s'en fout des bisons. Faut défoncer du bison pour que les... pour que nos colons puissent progresser, on va le faire. Bonjour, qu'est-ce qu'il me dit? Il a cette pensée. Il me faut l'Académie des Arts niveau 3. Ouh. Cartographie à frontière de l'Ouest. On va faire un truc très simple. Ou la décision de cartographie à frontière. Voilà, cartographie à frontière. On va lancer l'expédition avec Général Hemet. Voilà. Montagne en vue. On pourrait faire un détour et. Non, on s'en fout. On passe à nous planter un drapeau américain. On fait le tour. Et très vite, il faut que l'on fasse l'expédition. Indispensable de pouvoir très vite faire passer cette réforme. De pouvoir réussir à cartographier la frontière. De traiter les bonnes relations avec les Américains. Enfin, les Anglais. Donc, ça, on pourrait se dire hop, on fait la frontière ici. Rue vers l'or. Amusez-vous. Bien sûr, j'accepte l'accord commercial avec le Brésil. Le rêve. Allez, les gars, faites gaffe à pas vous faire avoir par juste des promesses. Est-ce que le multiculturalisme sera
Accepter ou est-ce qu'on aura un autre event? Inquiète-toi, arrête de casser les pieds, les conditions climatiques vont s'améliorer. Et là, il n'y a plus qu'à finir les petits bouts de territoire encore indigène, pas encore bouffé. Alors, on dira ici, terminer ça. Parfait, la mesure a été prise. C'est-à-dire qu'on pourra arrêter de persécuter les populations locales. Et pas discriminer ces populations. Parfait. Et des Han? Très fort de Han? Qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est con. Après, le pays entier regarde la population du pays. Beaucoup de pécans dans le pays, hein, d'ouvriers. D'accord, nordistes, sudistes. Et après, c'est tout un patchwork immonde et dégueulasse. Bon, beaucoup de nordistes. Ours en vue. On va chasser l'ours. Parfait, on l'a battu et on va pouvoir progresser. On progresse sans trop de danger. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, les choses se passent bien. Le miracle de la vie. Des cris d'humains. Non, on renvoie la mère et le bébé au village, on s'en fout qu'on progresse. Je veux que l'on progresse pour pouvoir obtenir la frontière. Il y a des états incorporés ou pas? On va incorporer tout ce qu'on peut. On peut remonter on remonte les recettes sans augmenter les taxes, c'est bien. Alors, brutalité policière. L'usage de la force est justifié, hein. Ça calera peut-être les militaires et les bourgeois. Une espèce de plante inconnue. Ah oui, on va la récupérer. On progresse. L'important, c'est ce moment, c'est je fais du développement, comme ça je rembourse mes dettes et surtout, je baisse la famille. Une gorge dangereuse. C'est quoi? Pour l'instant, on n'a pas trop de risques. On peut avancer. On avance sans prendre de risques. Pour l'instant, on n'a pas trop de périls, c'est une bonne nouvelle. Les aborigènes ont... Les aborigènes viennent d'où ces couillons-là? D'Australie, d'accord. Ça veut dire qu'il y a des Australiens qui viennent s'installer chez nous. Bon, bah très bien. Hein. Résolution, ça baisse peu à peu. Est-ce qu'elle est sur la route? Les températures sont basses dans les montagnes. On s'abrite dans une petite prairie. Sauvera du péril toute expédition, l'expédition est vraiment retardée. Pour l'instant, c'est pas risqué, donc on peut progresser. Ah, faudra baisser les risques dès qu'on pourra. La France veut une alliance, bien sûr. Pour l'instant, pas trop de danger. En Europe, l'Autriche est toujours grosse. La Prusse n'a toujours pas fait d'unification. Ni l'Italie. Rivière en crue. On va traverser avec notre petit bateau. En avant. Bon. Et sur la frontière. On va traverser. On va juste faire un petit peu gaffe. Pas non plus trop... C'est un petit peu greedy là.
Ici, c'est de l'Oregon. Après un long et prompt voyage, l'expédition est arrivée à bon port. La cartographie a pris l'Oregon dans toute sa longueur. Excellente nouvelle. Voilà, ça y est. Donc vous pouvez rentrer à la maison. On a réussi à achever. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que... Du coup, on va pouvoir demander, peut-être maintenant qu'on a réussi. Maintenant que j'ai réussi à cartographier la piste de l'Oregon. La mission ici, c'est... Ah, faut que j'aille au Wyoming. Ah, il faut que j'aille au Montana, Wyoming, Nebraska. Et Colorado. Faut terminer ces merdes là, quoi. Faut terminer tout ça. On va pouvoir s'emparer de ce que l'on veut ici. Bon, au moins, on a réussi la mission. C'est ici, normalement. Les débardages à vapeur, c'est pour les mines. On va faire ça. Et on va rechercher dès maintenant la dynamite. Bon, c'est fait dans 5 semaines. On va se prendre la tête. Par contre, on va rechercher le fonds mutuel pour monnayer plus de pognon. Et on va surtout également relancer le développement économique avec le cher mine. Oh, j'ai passé le moteur. Faut que je construise des usines de moteur. Faut que ce soit bien des moteurs. Là ça vaut rien. Le papier ça vaut quelque chose par contre. Les outils, putain, les outils ça rapporte. Bon, allez. Bâtissez-moi les... Au fonds d'investissement, il y a 5 millions de fonds d'investissement quand même, hein. Dynamite disponible. C'est quoi à faire? Ça coûte cher, bon, c'est pas grave, on a le fonds d'investissement. Dynamite, on passe à la dynamite. Occupion, c'est le fonds d'investissement. Ça se construit vite. La peau non perçue, ça me fait suer quand même. 6% de gaspillage fiscal, vous vous rendez compte? Le réalisme est disponible. Conseil d'administration dans les états où il n'y a pas assez de... C'est Californie, Nevada, il n'y a rien là. Pas normal, il faut au moins des administrations de ces territoires-là. Parce qu'il y a Californie. Après, c'est vrai que vu que ce territoire n'est pas incorporé, ça aide pas. Voilà, vous finissez la petite tâche là, et après, une fois que c'est fait, vous terminez ici.
Moment agréable, pas faire moment agréable, pas exagéré. De l'or en Bornéo. Bon. Institution. En public maintenu, c'est parfait. Affaires intérieures. On va essayer de faire ça après tout, si on a les moyens. Coup diplomatique commencé contre l'Italie de au Maroc, d'accord. La colonie est un état. Sans des bureaucraties pour attaquer le Texas, mais bon, ça vaut le coup. Il me faut plus d'infrastructures par contre. Un gros problème, c'est le manque d'infra. Où est-ce que c'est l'infrastructure déjà dans ce bordel? C'est un bâtiment, voilà, construction. Voie ferrée. Où est-ce qu'on peut voir des fois les problèmes de marché? Ok, dans tous les provinces, putain, y'a rien. Bon ben... les régions de mer, franchement, ce pays. Il sera fini quand? Dans 214 semaines. En 4 ans, quoi. Ouais, l'avantage, c'est que... Ah, guerre avec le Maroc a éclaté. Ah, je suis... Ah, je suis en guerre. Ah, ça a vu, je suis allié avec le français. Bon, bah, je suis allié, mais... Ok, il y a le Piémont-Sardaigne. Et l'Autriche. Donc c'est-à-dire que la France fait envahir par l'Autriche ici, d'accord. Donc la France se prend à la fois les Piémontais et les Autrichiens. On la refait, les Piémontais avec les Autrichiens. Ça va? Est-ce que maintenant je fais des petits coups par exemple, du genre par ça? Mais... Il ne voudrait pas moins 33? Méprisable? Oh... Ah oui, assistance bureaucratique, c'est pas grave. Y'a personne qui voudrait être influencé par le protectorat, hein. Ah les cons. Bon, mais tant pis, on fera 100. Il faudra administration gouvernementale très vite. L'administration gouvernementale sera absolument indispensable. On va augmenter la production de pinard. Je suis l'administration gouvernementale. Fonds d'investissement. Est-ce que le plan d'essor achevé? On va augmenter la production minière.
Ozomniac sera seulement indispensable pour juste pouvoir faire tourner l'économie. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Chasse au bison? Allez, on abat. Et s'il y a des gens qui se rebellent, eh ben c'est tant mieux. Je veux qu'ils se rebellent, ces couillons. Pourquoi? Parce que s'ils se rebellent, bah on pourra plus facilement annexer encore leur territoire. On pourra plus facilement les bouffer encore. Les Huttes, les Arapaho, là c'est les Pawnee, les Navarro. Saroka. Leur territoire se réduit comme peau de chagrin. C'est beau, c'est beau. Yep, là ici, hop, on continue. Voilà, on investit dans leur public. Des constructions qui sont coûteuses, oui, je sais. Bon, c'est pas grave. Disons qu'une fois que l'administration sera terminée, là, on utilise... Voilà. Quand on construit des bâtiments, c'est le fonds d'investissement qui est utilisé. Et fonds d'investissement, je suis encore, comment dire... Voilà, le fonds d'assistement, on a 2,80 millions. Voilà, il y a encore pas mal d'argent. C'est juste que l'administration n'est pas construite par le fonds d'assistement. Mais les entreprises, si. Du coup, maintenant, c'est bon. On a nouveau en positif. On va vider le fonds d'assistement, c'est pas grave. Il sert à ça, ce fonds. Donc, nouveau parti fondé dans le pays. Pas de socialiste. Oh là, ok. Alors, eux, on va leur dire de se faire voir. Voilà, ils seront contents. Gouvernement contesté. Mais c'est plus que gouvernement inacceptable. C'est quoi la prochaine élection? 160 jours. Bon, au moins, les réformes ici... Pas très inquiétantes. Donc combien sont à moins 1 et eux ils sont à plus 8. Bah, je vais les gars, je fais rien faire pour vous pour les syndicalistes. Hein. Encore les industriels que les syndicalistes. Hein. Bon alors la France a pété le cul, parce que la France n'a pas été foutue de débarquer au Maroc. Alors c'est bien de défoncer le Piémont, mais bon. Si tu prends pas l'objectif de guerre qu'au Maroc. Ah. Ils peuvent pas tomber tant que. C'est vrai que si les Piémontais et les Autrichiens, il faut pas qu'ils aient capitulé. Après, une bonne strat, c'est une fois que le Piémont est tombé, bah, l'Autriche ne peut plus intervenir directement. Il faut qu'elle débarque. Mais là, sérieusement, pourquoi vous avez pas pris l'Algérie et la Tunisie? De quoi ce travail d'arabe? Pardon, pas les choses à dire. Ah, j'ai oublié ça. Eh, j'ai plus d'afro-américains que de sudistes. T'as décelé la population. Ah non. Les deux principales sont... sont nordistes et afro-américains. D'accord, c'est même plus sudiste. Oh, oh la vache. Avec une efficace. Allez, on s'en fout des subsistances. Nebraska, c'est Corée. Fonds mutuels disponibles. L'argent va rentrer. On va rechercher en plus. Mission civilisatrice. Parce que je veux faire le canal de Panama. Donc le Piémont a capitulé, donc parfait. Alors ça par contre, la guerre ici, je m'en tape un peu. Ah ça qui est turc aussi. Est-ce que je suis... Comment mon famille méprisable toujours. Élection, donc qui a gagné? Les populistes et les démocrates. Pff, ok.
Je veux pas lui faire ça, j'ai pas envie de mettre ces connards là. Ouais, le gouvernement contesté. C'est... Pas terrible, mais bon, c'est mieux que rien, je suppose. Nouvelle rue vers le nord. Ouais, parce que le Yukon s'est vidé, hein. Non. Je vais pas influencer les syndicats étrangers. C'est une belle connerie, ça. Ça se retournerait contre nous. Jours, 49 jours, d'ici peu, ce sera intégré tout ça. C'est bientôt fini, les Comanches. Bon, là, ça se développe. Allez, l'argent qui rentre dans les caisses, c'est parfait. Et Hawaï, on s'en fout. De tu, je vois pas l'intérêt. Salomon. Ça a construit ces bâtiments-là, en fait. Là, ça peut être utile. En fait, c'est juste que... Là, regardez. Quand on regarde l'administration. 6,187, on a largement assez. Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas assez de taxes? C'est simplement à cause du manque d'incorporation. Là, il y a du nickel. Le charbon, ça vaut plus rien. Le soufre aussi. Mine d'or, par contre. Dans le bûcheron, voilà, ça va être vachement utile, ces machins-là. Et ça, regardez, ça vaut plus rien, ça. Ce qui rapporte, c'est l'industrie. Heureusement, on a le fonds d'investissement qui continue à... Ah, plus que 1 million. Ah oui. Il est en train de se vider, le machin, d'accord. Moi, je continue. Hein. Pour l'instant, le pays se développe. On calme la situation. La France démerde avec le Maroc. Ah, France. C'est quoi? Lucas se démerde. Je me suis cassé. Désolé, Frenchy. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Je peux faire diplomatiquement, je peux faire une action diplomatique par exemple. Qu'est-ce que c'est conquérir un territoire. C'est coup diplomatique, je suis bête. Ça va pas être un protectorat, ce petit con là. Moins 80. Et là, avec ça, il serait à moins 50. Ouais, ok. J'ai compris. Faut casser la gueule à tous ces FDP. Le Chili, on va. Ah, faut faire un fantoche. Avec notre armée qui sera. L'idée c'est d'envoyer des troupes. Oh, 150 000 cons, mais bon.
Enfin, une promotion pour ces gens-là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas combattu mes troufions. Oui, vers l'or, bah, amuse-toi bien. Ces promotions, c'est un bon moyen pour tranquillement les rendre contents. Les Anglais, ils vont rester neutres, j'espère. Bon bah, je suis devenu un fantôme, c'est parfait! Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, c'est le sujet. Ça devrait être deux infamies. Waouh! L'idée, c'est d'annexer l'Argentine, de pouvoir intégrer peu à peu tous les territoires que l'on peut dans la région. Y compris les Guarani. Ils sont inaccessibles pour l'instant. Puis ils vont grappiller peu à peu les territoires. Est-ce qu'ils vont se ranger? Personne ne va les soutenir apparemment. Et de toute façon, vous inquiétez pas, vous serez intégrés dans ma glorieuse union américaine. Et vous serez des pays... vous serez considérés comme des états entiers à part entière. Pourquoi est-ce que vous plaignez les gars? Niveau infamie, regardez, on est que 41, ça passe. Prends ce qui parle de l'Uruguay, du Paraguay. Ces merdes-là, je les boufferais manuellement. C'est rien, ces merdes-là. Allez, c'est bon, voilà, ils se sont rangés. Donc on va faire un truc très simple qui s'appelle Action d'État incorporé. Nebraska, Utah, Arizona. Et on va intégrer tout ça, on va dire, voilà, continuer. L'Uruguay. Personne ne va bouger son cul pour ce pays de merde, évidemment. Bon, ça pourra pas être la même pour le Brésil, Pérou, Bolivie, par contre, mais bon, le Paraguay et l'Uruguay, on peut le faire, hein. Reste neutre. Tout le monde s'en fout. Le monde aussi s'en branle. Voilà, je vous le dis clairement, le monde aussi s'en tape. Ah, le fond d'assiement est vide. Dommage. Oh, le Brésil soutient l'Uruguay. Oh, mais quel dommage. Les gens leur péter la gueule à ces cons. Par contre, il y a un petit problème, là, qui me plaît pas du tout, c'est... J'ai les généraux qui sont... décédé. Est-ce que je peux demander un objet du gaspillage à ce pays de merde? Et les Pays-Bas? Ça va, ça peut être gérable, non? Ce sont trois infamies, je suis à combien là? 48. C'est un peu trop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser un petit peu toute notre troupe là. Demander, hein. On va essayer, allez. Pour le fun. Bon, je suis un paria, c'est pas grave. Ça... On baissera ça. Puis il faut que tu aies quelques conseries. Ah, c'est quelques conseries, c'est tout. Le Pérou Bolivie me met sur embargo.
souhaite bonne chance. Écoutez, on casse les burnes, c'est con. Hein. Arrête, ça, niveau troupes, ça y est, on a plus de troupes qui arrivent. On va les bouffer, les Brésiliens. Et ça, je vous montrerai ça la prochaine fois. Pour aujourd'hui, moi, je m'arrête là, je vous dis au revoir et bye tout le monde.